Yes, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview de malade. Comme j'ai dit sur la chaîne YouTube, j'essaie toujours de faire venir des personnes qui font des résultats, des personnes qui sont en train de chiffrer en ce moment, qui font du dropshipping, du e-commerce d'une façon vraiment intéressante. Donc aujourd'hui, du coup, on est avec Clément. C'est un de nos clients, une personne avec laquelle on a travaillé, bah, qui a suivi la formation Youmi, qui a fait pas mal de choses et qui a pu développer aussi ses propres stratégies pour se différencier de la plupart des e-commerçants. Donc, il est là aujourd'hui pour apporter un maximum de valeur. Je vais te laisser un petit peu te présenter, Clément. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as pu faire depuis que tu as commencé l'e-commerce? Ouais, ça marche. Déjà, bonjour à Hello à tout le monde. Merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on se connaît. J'avais fait un premier live, je crois, sur Insta il y a quand même un bon moment maintenant. Ça devait faire il y a au moins plus de 6 mois, je pense, le tout premier. Et puis on en avait fait un ou deux depuis. Et puis mon associé Dani, on avait fait, je crois, un ou deux aussi avec toi. Donc c'est vrai qu'on en a déjà fait plusieurs ensemble. Ouais, voilà, c'était juste la petite aparté. Tout à Du coup, fait. moi, voilà, je m'appelle Clément, j'ai 24 ans. Et j'ai commencé l'e-commerce à peu près février-mars 2020. Donc ça fait un an et demi, une bonne année et demie maintenant que je fais de l'e-commerce. Et voilà quoi, du coup, tout simplement par rapport à ça. Donc au début, j'ai commencé par du Facebook Ads jusqu'à à peu près septembre dernier, août-septembre dernier. Et du coup, après, on est totalement parti sur Google en septembre l'année dernière. Et depuis, c'est vrai qu'on fait que du Google Ads. Et de temps en temps, là, ces dernières semaines, on essaye de rejeter des fois un petit coup d'œil sur Facebook parce qu'il y a quand même moyen de. Enfin, c'est quand même une plateforme qui est super intéressante. Après, il faut juste éviter les blocages, bien sûr, c'est le plus gros problème. Mais du coup, voilà, principalement, on fait du Google Ads et on essaye de revenir un petit peu aussi sur du Facebook ces derniers temps. Par contre, voilà, nous, on ne fait pas du tout tout ce qui est le monde d'influence, on ne fait pas du tout. Ok, bah donc je pense qu'effectivement, bah pendant l'interview, on va revenir un petit peu en détail sur tous ces points-là, les stratégies que vous mettez en place. Donc je suppose avant de te lancer dans l'e-commerce, tu avais bah, des activités que tu faisais avant. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu vraiment en détail sur ton parcours? Déjà, qu'est-ce qui faisait le Clément avant l'e-commerce? C'était quoi sa vie en général? Ouais, ça marche. Moi, du coup, pour vraiment repartir de plus loin, j'ai fait un bac pro commerce, du coup, en alternance, du coup, que j'ai eu au bout de 2 ans, parce qu'avant, j'avais fait une première générale. Du coup, quand tu passes en pro, tu n'es pas obligé de refaire la seconde, tu passes direct en première. Du coup, j'ai eu mon bac pro. Après, j'étais en BTS, pareil, en alternance sur Paris, sur Boulogne, exactement, dans le 92. Donc, j'ai fait ma première année, début de deuxième année, malheureusement, ça s'est mal passé. Je me suis fait virer de mon école, ça a été compliqué, en fait. Du coup, je suis parti. Après, j'ai travaillé un an à Noroto. Donc, Noroto, pareil, dans le 80. Non, c'est dans le 78, Vélizy, autant pour moi. Donc, un an à Noroto. Et après, j'ai fait pareil un peu plus d'un an, un an et demi à Intersport, dans un magasin de sport. Du coup, je pense que tout le monde connaît au niveau du rayon du foot parce que je kiffe le foot. Puis, j'avais un de mes meilleurs potes, en fait, qui travaillait là-bas et du coup, qui m'avait pistonné pour me faire rentrer Ok. là-bas, quoi, dans la boîte, tout simplement. Et du coup, je suis parti à Noël, donc en décembre 2019, du coup, ouais, c'est ça, d'Intersport. Et du coup, après janvier-février, j'ai travaillé vite fait, genre dans une société de déménagement, mais c'était plus, tu sais, genre en gros, ils m'appelaient, j'étais un petit peu en intérim, mais c'est pas forcément de l'intérim parce que tu es quand même dans la boîte, mais en gros, ils t'appellent les jours où il y a du taf, quoi, tu vois. Donc, je Ok. faisais tout ce qui était déménagement d'œuvres d'art sur Paris. Donc voilà, on allait dans des musées, on prenait en fait des œuvres d'art pour les amener des fois chez des particuliers ou dans d'autres musées, etc. Donc j'ai fait ça en janvier-février. Après, début mars, en fait, j'avais un. C'était donc. Et entre-temps, j'avais commencé à prendre la formation d'Yomi. Je n'avais pas de Okay. PC encore. Du coup, ça veut dire que je l'ai pris sur mon téléphone et je regardais juste la formation, tu vois, sur mon téléphone. Donc j'étais au début, tu vois, tout ce qui était module mindset, etc. Je n'étais pas encore arrivé à un endroit où j'avais besoin d'un PC. Mais Et en déjà, fait, tu en. vois, du coup, En fait, moi, pardon. tu étais en train de travailler, du coup, tu bossais à Intersport. Bah déjà, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te poses la question, que tu te dises, bah, OK, je vais prendre la formation Yomi. Pourquoi est-ce que tu as, comment tu as pensé à lancer un business, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce qu'il y a eu... Ouais, en gros, du coup, la formation de Yomi, tu vois, je l'ai pris fin janvier exactement, je crois le 30 ou le 31 janvier. Et du coup, à ce moment-là, j'avais déjà quitté Intersport depuis un mois en décembre. Et du OK. coup, dans cette société de déménagement où je travaillais, bah, genre, je pouvais travailler 2 jours par semaine, comme 4 jours, comme des fois 0 jour. En fait, il m'appelait la veille à 15 h pour me dire si le lendemain je bossais. Donc, j'étais chez moi et tu vois, au mois de janvier, quand tu es chez toi, il n'y avait pas encore le Covid. Tu vois. Au mois de janvier, tout le monde travaillait normalement encore, tu vois. C'est après que ça arrivait. Du coup, bah, tous mes potes, tout mon entourage était au taf. Au mois de janvier, il fait pas beau dehors, genre tu galères en vrai chez toi, tu vois. Au bout d'un moment, genre c'est marrant 2 jours,
parce que tu peux te coucher tard, tu fais des trucs, mais après tu galères, tu vois. Du coup, bah, j'étais sur YouTube et je suis tombé sur ça, mais je ne me suis pas pressé, tu vois. Genre, tout le mois de janvier, j'ai d'abord regardé les vidéos gratuites. Du coup, bah, indirectement, je suis tombé aussi après, bah, tu sais, tu te fais retargeter, donc je suis tombé sur d'autres formateurs, j'ai regardé un petit peu, etc. Et ça en est venu où fin janvier, je l'ai pris, tout simplement parce que fin janvier, j'avais eu ma paye du coup de ma société de déménagement. Puis même si, en gros, je gagnais pas beaucoup, mais du coup, vu que je travaillais pas beaucoup, bah, les jours où je travaillais, j'étais payé un peu plus, tu vois. Donc je me faisais un SMIC en travaillant un peu moins, tu vois. Donc du coup, bah, j'avais investi cet argent dans, bah, en gros, j'avais investi ma paye dans la formation, quoi, tu vois, tout simplement. Ok, du coup, bah là, à ce moment-là, tu as pris la formation, tu as commencé un petit peu bah, à regarder des vidéos mindset et tout. Et bah, comment ça s'est passé bah, le début, tes premières boutiques, comment tu as commencé à te lancer? Ouais, du coup, donc, du coup, j'ai commencé vraiment à me former en février. Donc, tout le mois de février, j'ai regardé la formation sans encore rien pratiquer, entre guillemets. Après, au mois de mars, en gros, c'était prévu depuis longtemps. Je suis parti 5 jours aux États-Unis. En gros, c'était pour voir des matchs de basket de base, tu vois. Et le jour où on arrive, paf, en gros, il y a un joueur en NBA qui a pété le Covid. Du coup, bah, match annulé, etc. Ah Du coup, ouais. on déçu un peu. Et du coup, le jour où je rentre, donc, ça devait être je crois, le 11 mars, 10 ou 11 mars, c'était le premier jour du confinement. Tu vois, confinement Ouais, à total. l'époque, ouais, je me rappelle. C'était ça, hein, c'était le 11, je crois, ou 10, ou c'était un truc Ouais, comme c'est ça. dans ces Bref, eaux-là, c'était OK. ça, hein, tu vois. Et du coup, je rentre. Donc, je me mets dans la situation au confinement total. Donc, tu te rappelles, il n'y avait vraiment rien d'ouvert, Ouais, tu vois. Genre, c'était c'était vraiment chaud à confinement l'époque, je me total en rappelle. France. Et du coup, j'avais la formation depuis un mois où j'avais déjà regardé un petit peu. Et du coup, bah, là, au moment où je rentre, confinement total, bah, c'est le moment où, en gros, bah, voilà, je lance ma première boutique, j'essaye de me faire accepter par Stripe, j'ouvre mon compte en banque chez Conto. Et voilà, tout le mois de mars, en gros, bah, je me mets en mode, je crée un peu mes banques, mes trucs et tout. Et du coup, mois d'avril, je crois début avril, 1er ou 2 avril, un truc comme ça, bah, je lance mon premier shop. Entre guillemets, première heure, je m'en rappelle, c'était des soutiens-gorge adhésifs, là. Ouais, Je ne sais pas ouais, si tu vois, c'est ouais. quoi le produit, tu vois. Ouais, ouais, Du coup, ouais. je lance, du coup, sur Facebook, au bout de 2 heures, je fais ma première vente, du coup tout content, je me dis waouh, genre ça fait 2 heures, tu vois, je fais une vente et tout, j'étais tout biaisé dans ma tête, et paf, je reçois un mail bloqué, tu vois, paf, Ah ouais. du coup, bloqué par Facebook, du coup j'essaye de me faire débloquer, du coup paf, je me fais pas débloquer, la demande elle est refusée, etc. Du coup je me dis bon, je fais quoi? J'ouvre un autre BM, j'ouvre un autre Facebook, tu vois, directement j'étais vraiment en mode genre ok, je me suis fait bloquer, mais c'est pas grave, tu vois. Genre, je fais un autre Facebook, j'avais acheté à l'ancienne, bon, maintenant ça marche plus, mais des comptes Facebook espagnols. Après, j'avais demandé à une pote à moi de, en gros, créer un compte Facebook pour moi, le valider avec son numéro de téléphone. J'avais essayé de le faire aussi avec des potes à moi. Enfin, tu vois, j'ai vraiment essayé de diversifier un peu les trucs partout. Et puis, au bout de 2 semaines, je lance un produit. Donc, je lance un produit, en fait, confinement, entre guillemets, parce que, voilà, c'était pas tu sais, les trucs de sport à la maison, mais voilà, c'était vraiment un truc de sport quand même global, mais du coup, que les gens pouvaient pas faire dehors, mais qui, avec OK. l'article que je vendais, pouvaient le faire chez eux. Et du coup, avec ça, j'ai fait à peu près genre 20 000 euros de chiffre d'affaires sur Facebook, tu vois. Donc, c'est pas énorme, énorme, mais du coup, au début, tu vois, j'avais margé à peu près à 25-30%. Donc, je m'étais fait quand même 5-6 000 euros, tu vois, assez rapidement comme Carrément. ça. Et du coup, bah, tu vois, vu qu'on était en confinement, ben, je dépensais que dalle, tu vois, chez moi, genre, je dépensais vite fait, enfin, tu vois, je payais mon assurance voiture, c'est moi, je fume la cigarette électronique, donc je Ouais. dépensais un peu de goût, mais en vrai, je faisais mon mois avec 400, 450 euros, tu vois, en vivant chez mes parents, donc Mais du coup, avec... comment tu le vis en fait quand tu vois tu sors bah, du salarié entre guillemets et puis voilà et puis bah tu te commences bah, à générer bah, ce genre de somme en faisant des petits trucs en faisant des manips sur ton ordinateur en lançant des shops. Déjà, comment ça s'est passé psychologiquement? Bah, honnêtement, j'étais content, tu vois, mais j'étais tellement, genre, j'avais tellement regardé de vidéos où je voyais des gens, tu vois, qui avaient réussi avec le e-commerce, que moi, mes 4-5 premiers 1 000 euros que j'avais gagnés, je ne les voyais même pas en mode, ouais, j'ai gagné 5K, je les voyais juste en mode, ok, je me sors 1 000 euros pour moi, comme ça, je sais que pendant 2-3 mois, bah, entre guillemets, je peux vivre tranquillement. Enfin, je ne vis pas avec 1 000 euros, mais tu vois, genre, je peux payer mon essence, je peux faire mes petites Tout à dépenses sans me fait. prendre la tête, sans avoir besoin d'argent, sans être obligé de prendre un truc d'intérim. Mais par contre, voilà, j'ai 4 000 euros que j'ai dans mon business. Donc, je sais que, voilà, avec Facebook, tu testes à peu près avec entre 100 et 200 euros un produit. Bah, je sais que, voilà, je me suis dit, je suis quand même, j'ai une marge de sécurité OK. pour pouvoir bosser tranquillement. Et c'est vrai que cette marge, ça a été vraiment bénéfique pour moi parce que j'ai beaucoup moins travaillé dans l'urgence et j'étais beaucoup moins stressé quand je testais un produit et qu'il ne marchait pas. Tu vois. Et Tout donc, à ça a fait. vraiment été plus ça. J'ai pas vraiment, à aucun moment, tu vois, vraiment à ce moment-là, je me suis posé et je me suis dit, ouais, j'ai gagné 4 000 euros sur Internet. Ça, c'est plus venu après, quand les mois y passaient,
On en reviendra après, tu vois, mais au fur et à mesure de moi, quand je me suis dit, putain, ça fait 3 mois là que j'ai plus besoin d'aller travailler, là, ça fait 6 mois, là, ça fait 1 an, tu vois ce Donc que à je ce veux dire? moment-là, tu vois, quand tu commences à générer bah, cette somme, là, tu es vraiment dans un état d'esprit long terme. En fait, tu dis, OK, c'est bon, je mets ça de côté et du coup, bah, je réinvestis le reste pour développer le business. Ouais, c'est ça, parce qu'en vrai, on va pas se mentir, 4 000 euros, c'est bien, mais entre guillemets, c'est rien. Genre, ça peut être dépensé en 4 jours, tu vois, façon de Tout à fait, parler. Tu vois. Mais par contre, moi, à mon petit niveau, parce que j'étais encore à ce moment-là un total débutant, ben, en gros, c'est comme si en l'espace d'un mois, je débute le e-commerce avec 1 000 euros et d'un coup, j'ai 5 000 euros pour débuter. Ben, tu vois, c'est pas du tout pareil. Tu vois, tu as quand même une marge quand même beaucoup plus élevée et tu peux quand même essayer et du coup, tu as beaucoup plus de marge de sécurité. Et tout niveau mental, c'est quand même beaucoup plus à l'aise pour travailler, tu vois. C'est plus à fait, simple, tu vois. tout à fait. Et du coup, bah, c'est vrai que bah, quand on parlait, tu as dit que bah, voilà, t'as... déjà avant de trouver ce produit, qu'est-ce que tu as mis en place? Comment est-ce que tu as effectué ta recherche de produits? Tu utilisais quoi comme outil? Tu disais quoi? Qu'est-ce qui t'a permis Ouais. de sélectionner ton Bah, produit? moi, vraiment, au début, jusqu'à vraiment, je dirais, août-septembre, ou voilà, après avec Dani, je pense que c'est à ce moment-là, en septembre, on a quand même un petit peu le level up, tu vois. Mais sinon, jusqu'à ce moment-là, vraiment, on suivait un peu la formation, genre vraiment bête, enfin méchamment, tu vois, bête et méchamment, tu vois, genre, on suivait pas la lettre, ok, on teste, à l'ancienne, c'était AdSpy, il n'y avait pas encore Minéa et tout. Donc, ok, on prend AdSpy. Tu sais, du coup, tu as des groupes où du coup j'avais un abonnement, tu vois, où je payais un peu moins cher pour pas payer 150 euros par mois. Je payais, je crois, 20 balles, on devait être 6 ou 7. Donc, je prenais mon abonnement AdSpy. Tous les jours, voilà, je mettais, je les ai même plus en tête, mais tu vois, les critères France minimum, je sais plus, c'était peut-être 100 000 vues, une semaine, que la France, il fallait qu'il y ait minimum assez d'interactions. Je regardais qu'il y avait des commentaires et des likes tous les jours pour savoir si la pub est tournée encore. J'allais voir le site, je regardais les vidéos qu'eux ils avaient mis en place, et puis après, si tout ça correspondait à, tiens, je faisais un tableau Excel, je notais genre 5-6 produits. Le lendemain, je regardais si au bout de 3 jours il y en avait un ou deux qui se détachaient, bah, je testais. Ma grande avantage à ce moment-là, c'est qu'avec Dani, vraiment, on était vraiment. Enfin, moi-même avant et puis après, quand on bossait ensemble, genre, on testait tous les 3 jours, on testait un produit. Donc, on avait le mauvais côté où des fois, c'est vrai qu'on pouvait couper alors qu'on n'avait peut-être pas encore assez de data, tu vois, potentiellement. Mais voilà, on mettait nos 100 balles par jour, on testait 2 jours. Et voilà, on testait full masse. Donc, on retapait des sites, on retapait des créatifs tout le temps, tout le temps, tout le temps. On faisait la même chose, tu vois. Mais en gros, moi, tous les jours, je faisais 2 heures de recherche produit et 2, 3 heures de création de site parce qu'on crée un site basique, mais en 3 heures, au bout d'un moment, une fois que tu as pris Shopify, un Ouais, site basique s'est carrément. mis en place. Et Dani, bah, lui, pendant 4 heures par jour, et bah, il faisait 2 heures, 2, 3 heures de créative, à monter les créatives, et puis une heure et demie à mettre en place et lancer les CBO, lancer les adsets, tu vois. Genre, on t'a fait chacun 5 heures par jour, ce qui n'est pas énorme en vrai, mais voilà, en bossant chacun 5 heures par jour, 6 jours sur 7, puisqu'en général, on se prenait quand même le dimanche un peu en mode tranquille, tu vois, genre, on bossait pas trop. Mais du coup, bah, 6 jours sur 7, bah, du coup, on pouvait tester 2 produits par semaine et on testait 2 produits. Tous les 3 jours, on testait un produit. Je m'en rappelle, en moyenne, on testait un produit le mercredi et un le samedi, tu vois, et à chaque fois, on faisait Okay. ça, on faisait ça, on faisait ça, on Et faisait à ça, tu force vois. bah, de faire ça, vous êtes tombé sur... C'est ça. Et après, du coup, donc pour faire, voilà, pour un petit peu faire mon parcours, moi, du coup, le produit où j'ai fait 20K, je l'ai trouvé en avril, tu vois. Donc, j'ai fait ça de avril à mai, donc à peu près en 2 semaines, 2, 3 semaines, tu vois. Et encore, entre guillemets, j'aurais pu faire plus parce que tu sais, vu que c'était un nouveau compte Facebook, j'étais bridé en termes de budget. Genre, je ne pouvais pas dépenser plus que 300, 400 euros par jour. Et c'est dommage parce que je pense que j'avais un vrai winner, tu vois. Genre, vraiment, honnêtement, j'aurais, après, en ayant parlé avec des gens, tu vois, qui étaient plus avancés que moi, je ne dis pas que j'aurais fait 1 million, mais je pense qu'avec ce produit, en l'espace de 2-3 semaines, il y aurait moyen de faire 100, 150K, tu vois. Genre, OK. j'aurais quand même pu faire 5 à 7 fois plus, tu vois. Donc, au lieu de faire 24 bénéfs, ben, au lieu de faire 5K de bénéfs, pardon, sur 20K, ben, j'aurais peut-être pu faire 100K de chiffres et faire 20, 25K de bénéfs, tu vois. Donc, j'aurais pu quand même être en plus beaucoup plus stable, tu vois. Genre, entre 5 000 et 25 000 euros, il y a une belle diff quand même, tu vois. Genre, t'es quand même Ouais, bien plus carrément. tranquille, tu vois. En vrai de vrai, t'es quand même bien plus tranquille, tu vois. Et du coup, après, donc fin avril, on a commencé en fait avec Dani, comme on l'avait déjà dit. Et donc, du coup, je le rappelle vite fait pour les gens qui ne le savent pas. On s'était rencontrés dans le groupe de la formation Diomi. Parce qu'en gros, Dani, il avait fait une petite vidéo dans la formation où, en gros, comme moi, il avait fait à peu près, je crois, lui, un peu plus, peut-être 30K, tu vois, avec son produit pendant le confinement. Et du coup, il disait, voilà, qu'avant, il avait commencé l'e-com et qu'il ne faisait pas trop de chiffres et que d'un coup, bah, le bon produit, et paf, tu fais 30K. Puis lui avait margé plus que moi, tu vois, il avait margé, je crois, à plus de 30%, il avait pris un peu plus de Pas 10K, tu mal. vois, de bénéf. Et du coup, ce qu'on avait fait, on s'était aidé entre-temps sur Facebook parce que Dani, du coup, lui, était plus avancé que moi en termes de connaissances sur Facebook, mais vas-y, il n'avait pas les contacts, tu vois, enfin, les contacts entre guillemets, mais il avait des BM bloqués, il ne savait pas trop où en acheter. Du coup, moi, je lui avais donné le truc espagnol où il pouvait en acheter, etc. Et du coup, bah, moi, je l'avais aidé pour ça parce que du coup, grâce à ça,
entre guillemets, grâce à moi, il avait pu prendre son BM là à ce moment-là. Et du coup, c'est avec ce Ouais. BM-là qu'il avait fait son chiffre. Et ben, du coup, et moi, grâce à ses connaissances, ben, j'avais pu lancer des lookalikes, j'avais pu lancer des trucs comme ça qu'au début, je ne connaissais pas. Tu vois. À cette époque-là, ça marchait bien les lookalikes. Tu vois. Bref. Et du coup, après, ben, on s'est dit, tu sais quoi, début mai, en vrai, je crois, on avait mis genre 3-4 000 euros chacun de notre poche, tu vois, ensemble. On s'est dit, tu sais quoi, ça nous fait 6-7-4 fonds de roulement à deux. Carrément. Viens, on est, et viens, moi, en gros, à cette époque-là, je m'occupais de monter les shops. Et Dany, à cette époque-là, s'occupait de tout ce qui est créatif, publicité. Et du coup, tu vois, on a eu du bol. C'est qu'au bout du deux, troisième produit, bah, ça a chiffré, ça a marché. Et du coup, tu vois, sur mai, donc mai, juin, juillet, parce que je crois le produit à fin juillet, ça commençait à être un peu mort. Et tu vois, sur les 3 mois, on a fait à peu près 150K sur la France. Et on avait fait à peu près Bon. 100, 120K sur l'Italie, tu vois. Donc, on avait fait à peu près 250K. Donc, tu vois, à 20% à peu près de marge, bah, on avait tiré à peu près 50 à 64 bénéfs. Bah, du coup, tu vois, on a pu pendant 3-4 mois, bah, vivre quand même, se verser voilà, un petit salaire tous les deux, tranquille, vivre du e-com. Juillet, août, tu vois, il faisait beau. Et c'est à cette époque-là, vraiment, où, entre guillemets, bah, en sortie de confinement, tu vois, genre mai-juin, où voilà, je me suis dit, là, c'est quand même ouf parce que du coup, je ne vais pas travailler et je me verse, on se versait 2K, tu vois, chacun à peu près. Je peux sortir, genre, je peux faire tout ce que je faisais avant, voire un peu plus même parce que je gagnais plus qu'avant et en Ouais. travaillant de chez moi, tu vois. Bah, du coup, l'idée, tu vois, enfin là, c'est intéressant, je pense, cette phase, parce que je l'ai vécu aussi quand j'étais sorti bah, du confinement. Là, ça commençait un petit peu à bien fonctionner pour moi avec bah, mes différents business, Delecto notamment. Ça avait bien pris aussi à ce moment-là. Comment toi, tu as vécu, du coup, quand tu es sorti, entre guillemets, un petit peu bah, de ta caverne et que tu as vu qu'en fait, bah, les possibilités étaient multipliées par 10, en fait? Bah, c'est là où j'ai le plus kiffé en vrai. Tu vois, surtout que je sais pas si tu te rappelles, mais juin, il faisait super beau l'année dernière, tu vois. Ouais, Genre, il a fait carrément. beau tout le confinement. Et même en sortie de confinement, il faisait très très beau et tout. Du coup, c'est vrai que bah, sans faire des trucs de ouf, tu vois, mais genre, j'allais un peu plus souvent au resto, j'allais boire des verres en terrasse avec mes amis, il faisait beau. Tu vois, le lendemain, eux, ils disaient, vas-y, genre le jeudi soir, putain, demain, il faut que je me lève à 8h, il faut que je me lève à 9h. Moi, je me disais, demain, si j'ai envie de me lever à 11h, je m'en fous, je me lève à 11h. Tu vois, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment kiffé un petit peu, genre. Le fait de dire bah, je peux faire ce que je veux, quand je veux, mais sans forcément dépenser beaucoup. Juste le fait de savoir quand je peux faire mes restos, mes trucs à 30 balles, à 40 balles, à 50 balles. Parce qu'on ne va pas se mentir, au début, quand tu gagnes un salaire, quand tu es en France et que tu gagnes 1 200, 1 300, bah, pour des gens qui gagnent beaucoup d'argent, aller faire des restos à 30 euros tous les jours, c'est rien pour eux, tu vois, parce qu'ils ont de l'argent. Carrément. Mais quand tu es à 1 200, tu ne peux pas dépenser 30 euros par jour au resto. Tu sais, ça fait 1 000 euros par mois. Tu ne Ouais, peux pas te permettre. carrément. Carrément, tu peux pas. Et du coup, moi, des petites dépenses comme ça, sans faire des trucs de ouf, tu vois, sans aller dans des restos de ouf, tu vois, genre des brasseries à Paname, un plat de pâtes avec un petit dessert, des trucs tranquilles. Mais c'est vrai que de pouvoir le faire régulièrement, ben, c'était un kiff pour moi, tu vois. Genre, et c'est vrai que c'est vraiment ce moment-là, je pense, juin, juillet, où vraiment j'ai kiffé, tu vois. Puis en juillet, je m'en rappelle, on allait énormément faire des foot avec des potes à moi, tous les dimanches, on allait la semaine et tout. Ben, moi, je savais que genre, j'allais taper mon foot le dimanche. C'est souvent le dimanche, c'est le jour où les gens, ils passent une bonne journée, mais le soir, à partir de 20, 21 h, ils se disent, putain, demain, c'est lundi, tu vois. Bah, moi, tu vois, le soir, je rentrais, je disais à d'autres potes à moi, venez ce soir, genre, je rentrais du foot à 20 h, je me douchais, je me posais un peu chez moi, j'appelais Dany pendant 1 heure ou 2, on faisait notre bilan un peu de la journée. Et puis à 22, 23 h, j'appelais un de mes potes, on allait au grec, on rentrait à minuit, 1 h. Le lendemain, je me levais à 9, 10 h, après, je rappelais Dany, on bossait. Genre, vraiment, c'est le moment où j'ai le plus kiffé, tu vois, genre, limite de ces derniers mois. C'est presque, si je devais retenir un moment, enfin, en tout cas, celui qui m'a le plus marqué, qui m'a Ouais. le plus fait kiffer, entre guillemets, ça a été plus ce moment-là où, en gros, sorti de confinement, j'étais libre financièrement, entre Ok. guillemets, enfin, à ce moment-là, tu vois. Ça a plus été ce moment-là où vraiment j'ai le plus kiffé, où me dire, voilà, je sors du confinement et j'ai pas besoin d'aller bosser pour quelqu'un. Et j'ai pas, je gagnais pas un salaire de ouf, mais j'ai pu remplacer mon salaire d'avant, un peu plus quand même, en plus, pour du coup me faire ces plaisirs-là, par un salaire que je devais gagner en donnant 35 heures de mon temps, en gros, entre guillemets, tu Ouais. vois, bah, toutes les semaines, quoi, tu vois, en Ça gros. c'est ça, c'est vrai que Et c'est ça hyper a été lourd, un kiff, tu justement. vois. C'est vrai que c'est hyper lourd. Et après, bah justement, après avoir fait bah, ces résultats, du coup, bah, vous avez bougé à Dubaï. Déjà, pourquoi vous avez décidé de partir à Ouais. Dubaï? Ouais, du coup, entre-temps, ça a été. On n'est pas parti à Dubaï avec ces chiffres-là, tu vois. OK. On est parti à Dubaï parce que du coup, au mois d'août, après, bah du coup, mai, juin, juillet sur Facebook, malgré tout, même si on a fait 250K. On commençait à se faire pas mal ban, tu vois. Alors, c'était des bans où on se faisait des bans le lendemain ou 2 jours après. Mais le problème, c'est que des fois, hein, il était 15 h, j'étais dehors, Dany m'appelait, il me disait, ouais, on s'est fait bloquer et tout, tu vois. À force, c'était vraiment relou, tu vois. Genre, on commençait vraiment à en avoir marre, tu vois. Du coup, mois d'août, je suis allé à Bruxelles, tu vois, chez Dany. Du coup, en OK. même temps, j'ai rencontré ses darons et tout, parce que malgré tout, tu vois, ça faisait quand même 3-4 mois qu'on bossait ensemble.
Donc, tu vois, j'allais dormir, je suis resté chez lui pendant 2 semaines, tu vois, il m'a accueilli chez lui. Du coup, j'ai rencontré ses parents en même temps, on a commencé à bosser ensemble sur place. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que on s'est dit, viens, on part sur Google. Tu vois, viens, on part sur Google, viens, on fait une grosse recherche de produits. Nous, en fait, on aimait la stabilité de Google, tu vois. Mais à ce moment-là, on n'avait aucune idée de partir à Dubaï, tu vois. On voulait juste, en gros, limite remplacer nos gains de Facebook sur Google. Pas forcément gagner forcément plus, mais se dire, alors qu'on gagne là tous les mois, entre guillemets, viens, on le stabilise à l'année, tu vois, entre guillemets. D'accord. Tu vois, parce que malgré tout, au mois d'août, tu vois, quand ton produit il meurt sur Facebook, au mois d'août, on ne faisait plus d'oseille, tu vois. Alors oui, on avait eu de la chance d'avoir, on avait économisé de l'argent, donc on était quand même tranquille pendant quelques mois, mais malgré tout, on s'est dit, ouais, là, on a peut-être 6 mois devant nous, mais on fait quoi dans 6 mois si on ne retrouve pas de produit sur Facebook, tu vois? Parce que tu es toujours dans l'objet, de retrouver un winner à chaque fois, c'est pas stable, tu vois. Tout à fait. Du coup, au mois d'août, on est parti ensemble chez Dani, je suis resté à peu près 2 semaines chez lui. On a fait une grosse recherche de produits, on avait trouvé 3-4 niches intéressantes. Et on a commencé à tester. Et voilà, dès le premier produit, entre guillemets, bon, après, premier produit, parce qu'on avait fait une grosse recherche produit aussi, tu vois, pour le Tout coup, à on fait, avait tout fait une à fait. recherche produit plus de 2 semaines. Donc voilà, on a commencé à chiffrer un petit peu, 500 euros par jour, 1000 euros par jour, 1005, 2 cadeilles. Et puis après, voilà, ça a fait que d'augmenter. En octobre, on a commencé à taper les 5 cadeilles, tu vois. Fin octobre, on a commencé à taper les 7, 8 cadeilles. Et puis novembre, on a commencé à taper les 10 cadeilles, les 15 cadeilles, les 20 cadeilles, les OK. 30 cadeilles. Et après, voilà, début décembre, on a fait un pic à plus de 53 cadeilles, tu vois, pendant le Black Friday. Et du Lourd. coup, à partir de là, on s'est dit, au mois de décembre, on a commencé à y songer. Et nous, on a pu partir assez vite parce qu'en gros, Dani, il a un bon ami à lui qui est agent immobilier, tu vois, à Dubaï. Et du coup, il a pu nous aider pour trouver un appartement, pour faire nos visas. On a pu en fait faire pas mal de choses à distance qui nous ont fait gagner du temps. Et en gros, on est parti fin janvier à Dubaï. Et du coup, on est resté jusqu'à. Moi, je suis resté jusqu'à mi-mai, tu vois, j'ai fait 3 mois et demi là-bas. Et là, je suis rentré mi-mai. Et je vais repartir, comme je te disais, en vrai, octobre, j'ai pas trop de dates. En gros, il faut juste que jusqu'à fin janvier, je fasse 2 mois à Dubaï. Mais tu Ouais. vois, entre octobre, novembre, décembre, janvier, j'ai 4 mois pour faire 2 mois, tu vois. Ouais. Donc en vrai, je suis large. Et puis, je vais repartir là, voilà. Mais du coup, ça s'est fait comme ça. On est parti parce qu'on avait aussi envie de tenter une nouvelle expérience. Et on savait que là-bas aussi, on allait être plus productif parce que ce soit moi et Dani, genre, on est des gens qui bossent. Honnêtement, on est vraiment quand même des charbonneurs, tu vois, des gens qui bossent beaucoup. Mais on a ce côté où que ce soit lui ou moi, on a quand même beaucoup d'amis, tu vois, aussi de notre côté. On est des gens qui aiment. Je ne te dis pas qu'on se fait disperser tout le temps, mais on est des gens qui avons vraiment besoin de voir nos amis aussi pour se sentir bien, OK. etc., tu vois. Mais du coup, des fois, ce n'est pas facile à gérer parce que si tu vois beaucoup tes amis, tu travailles un peu moins, etc. On le faisait, mais le problème, c'est qu'après, on bossait très, très tard. On avait des heures qui n'étaient pas Ouais. forcément bien, tu vois. Alors qu'en repartant à Dubaï, on a plus pu trouver une stabilité, entre guillemets, ou même tout simplement, rien que le fait de bosser à côté, d'être posé sur une table avec chacun son PC, tu avances beaucoup plus vite qu'en s'appelant au téléphone et Ouais, en se tout à donnant fait, des vous coups de poing pouvez droite à gauche, tu échanger vois. directement, il y a un petit Ben, souci, c'est ça, tu tu vois. me dis juste et C'est que ça va beaucoup plus vite, tu vois. Du coup, là, comment ça se passe quand tu arrives à Dubaï, je suppose, c'était la première fois que tu y as eu ou tu étais Ouais, déjà là moi avant? c'était la première fois. Moi c'était Comment la ça toute se première passe fois. quand tu arrives avec tes valises et là, tu dis nouvelle vie? Comment tu as vu un petit peu ce changement de vie là? Ouais, Comment tu l'as en vécu? vrai c'est ouf. Moi je me rappelle, je suis arrivé avec mes deux grosses valises. J'avais 30 kilos à droite, 25 kilos à gauche. Je galérais à les porter. J'avais mon sac et tout. Du coup, on a le pote de Dani qui vient nous chercher à l'aéroport. Du coup, première journée, paf, on arrive à l'appart. Donc, on découvre l'appart et tout. Je me dis, waouh, c'est chez WAM, tu vois. Après, premier truc relou, c'est qu'on arrive, la Wi-Fi est buggée. Donc, on s'est dit, putain, c'est relou, tu vois. Donc, du coup, premier jour, le pote de Dani, du coup, il nous dit, c'est quoi, posez vos valises. On va manger un truc, on va se poser un petit peu tranquille. Je vais appeler le technicien, du coup, il va venir, il va vous réparer la Wi-Fi. On s'est dit, ouais, mais on est dimanche, tu vois. Il a dit, ouais, vous inquiétez pas, le dimanche, les gens, ils bossent ici, tu vois. On s'est dit, ah ouais, lourd, tu vois. Parce qu'en France, t'as beau, entre guillemets, même être riche, enfin, même nous, on ne l'est pas, tu vois, mais t'as beau avoir des gens qui sont vraiment riches, un dimanche, t'as un problème de Wi-Fi, il va trouver quelqu'un qui va venir te le réparer, tu vois. C'est galère un peu, tu vois, en vrai, Carrément. compliqué, tu vois. Donc, du coup, voilà, on passe notre première journée tranquille, on découvre un peu, on va chercher notre carte SIM, tu vois, pour avoir de la 4G, on va faire un petit resto sur la plage. Même, en fait, le truc qui m'a fait kiffer le premier jour, c'est genre juste, pour moi, au début, le premier jour, j'étais en vacances parce qu'on était le 30 ou 31 janvier, il faisait 30 degrés, tu vois. Ah ouais, En France, lourd. tu vois, il fait pas Énorme. 30 degrés en janvier, tu vois. Du coup, au premier jour, c'était en mode vacances et tout. Mais ça va, on s'est vite mis, genre vraiment, on a peut-être juste profité genre 3-4 jours, tu vois. Genre après, direct, on s'est mis vraiment en mode taf. Et après, voilà, on a pris notre routine de taf. On se lève. Bon, nous, on se lève un peu tard avec Dani, tu vois, on est un peu des lève-tard en vrai. Mais du coup, vu qu'à ce moment-là de l'année, tu as 3 heures de décalage avec la France et qu'il est 3 heures plus tôt, entre guillemets, même si tu te lèves vers 10-11 heures, il est 7-8 heures en France. Ah ouais, Donc quand quand tu même. bosses avec les gens de la France, ça ne pose pas trop de problème, tu vois.
Donc en général, on bosse le matin de 11h à 14h. En général, pendant 3 heures, on fait vraiment nos trucs les plus importants. Tu vois, genre pendant 3 heures, vraiment focus tous les deux. Après, à 14h, on sort un peu, on va prendre notre petit café, on va manger un peu tranquille. On rentre vers 16-17h. On rebosse un peu jusqu'à 18-19h. Tu vois, genre 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, ça fait des journées de 6 heures à peu près. Et après, en général, moi, je vais faire mon sport. Dani, des fois, il va faire son sport ou il se pose un peu à la play. On fait un petit peu nos activités, des fois à cette heure-là, un peu entre guillemets, chacun de notre côté, tu vois. Et puis après, on se douche et tout. Et puis après, vers 21h, en général, on va au resto ensemble, ou on commande à Uber Eats ensemble, ou des fois, on commande à Uber Eats, on joue à la play ensemble, ou on va voir le pote de Dany, on va manger un truc tous les trois. Et là, en général, on fait un petit truc. Et puis après, en général, on rentre après vers 23, tranquille. Et puis moi, tu vois, du coup, vu qu'il est 23h, ben, il y a le début du foot, tu vois, avec le décalage horaire, parce que moi, je regarde énormément le foot, tu vois. Donc en général, moi, je me pose, je regarde le foot. Et puis Dany joue à la play avec ses potes, tu vois, il joue à Call of avec ses potes, etc. Tu vois, en général, tu vois. Au En calme, gros, au notre journée, calme. nous, on est vraiment genre en mode, on vit à Dubaï, mais genre on profite de Dubaï, tu vois. Genre, on sort 2-3 heures l'après-midi. Le soir, on va faire un petit resto. Des fois, on prend un ou deux jours off aussi dans la semaine pour aller, tu vois, à la piscine, à la plage, dans le désert, faire des sorties, tu vois. Mais de manière générale, on est vraiment quand même, tu vois, plus dans notre routine en mode, ben, on vit chez nous encore, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on Ouais, c'est ce travaille que je vois de. dans ce que tu me dis. C'est vrai que, bah, il y a beaucoup de périodes de taf à la maison et un peu de temps pour profiter et se C'est détendre. ça, tu vois. Et moi, rien que, tu vois, une période de pause, genre, ben, quand je taffe, tu vois, moi, tu vois, je fume la, enfin, comme je te disais, tu vois, je fume la cigarette électronique, ben, je me pose 10 minutes sur mon balcon, mais tu vois, genre, j'ai la vue sur Dubaï, Ça, en c'est 10 cool. minutes de pause, je suis au soleil, j'ai l'impression que ça fait 2 heures que je suis en pause, tu vois. Parce que, tu vois, genre, j'ai pris 10 minutes en mode comme si j'étais posé sur un transat à l'autre bout de la planète, tu vois. Alors qu'en France, ben, je vais me poser à ma fenêtre et je vais fumer, tu vois, mais genre, je vais Oui. avoir vue sur, voilà, tu vois, genre, basique, tu vois. Et du coup, c'est Carrément. vrai que ça, c'est vraiment un truc où, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en prenant un petit temps de pause, tu as l'impression que tu as pris genre bah, une journée de pause, tu vois. Et ça, c'est vraiment agréable, tu vois. Lourd, Donc, lourd. ça, c'est vraiment kiffant, ouais. Bah, c'est cool ça justement. Et bah, maintenant, du coup, si on revient un petit peu bah, par rapport bah, aux stratégies, tu vois, par rapport aux stratégies sur. Parce que du coup, tu as commencé sur Facebook Ads et maintenant, tu es plus sur Google On Ads, n'est c'est plus ça? sur du Google, ouais, c'est ça. Ok. Déjà, pourquoi Google? Pourquoi aujourd'hui Google, d'après toi, c'est une plateforme intéressante où on peut se positionner? Ce que j'aime bien en fait sur Google, pour moi, le gros avantage par rapport à Facebook, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de bans. Tu vois. Alors, il y en a quand même, c'est vrai, un petit peu plus ces derniers mois. Je l'ai vu, hein, même, je l'assume, tu vois, genre quand on a pris des coachings, c'est vrai qu'on a plusieurs personnes des fois qui se font bloquer, etc. sur Google. Nous, on a l'avantage de ne pas se faire ban parce que malgré tout, maintenant, on a un compte quand même qui a quand même une ancienneté, qui a quand même beaucoup, beaucoup spend, tu vois, genre, enfin, par rapport à certaines personnes même que tu as pu interviewer, etc. Ou de manière générale, on n'est personne, hein, tu vois. Mais on a quand même un compte, voilà, qui a dépensé, voilà, pas loin de beaucoup, enfin, c'est un bon 6 chiffres, tu vois, sur Google en termes de dépenses. Donc, tu vois, c'est quand même beaucoup, tu vois, on a dépensé quand même beaucoup d'argent. Donc, on est quand même un peu plus tranquille par rapport au blocage. Et puis surtout, tu as une stabilité. Donc, elle est un peu longue des fois à mettre en place, tu vois. Mais une fois que tu as une stabilité sur Google, c'est pas comme sur Facebook où du jour au lendemain, on va te dire, ouais, ta pub, elle est refusée, ton BM, il est bloqué, tu as besoin d'acheter des BM. Tu passes pas sur Google du jour au lendemain de 3K à 400 euros par jour. Non, tu vois. Moi, je le vois, même là, tu vois, on est en relancé du Facebook à côté de Google pour optimiser, pour avoir différentes sources de revenus. Bah, on peut faire des journées à 4K, comme le lendemain, on peut faire 2K5, tu vois. OK. Sur Google, tu passes pas de 4K à 2K5, Ouais, donc c'est vrai qu'il y a. tu peux perdre quelques conversions, tu vois, oui, mais tu divises pas ton. Parce que là, du coup, tu perds 40% ton chiffre d'affaires, façon de parler, tu vois. Et le lendemain, tu peux refaire 4K5, tu vois. Genre, c'est possible, tu Ouais. vois. Mais Mais sur c'est la stabilité. stabilité, du coup. Et du coup, bah, sur Google Ads, est-ce que bah, y a un type de produit qui fonctionne en particulier où on peut se positionner sur un petit peu plus. Ouais, sur Google Ads, comme je le dis toujours à mes élèves en coaching, on n'est vraiment pas sur du produit problème-solution comme sur du Facebook, tu vois. Genre, enfin, ou alors tu peux le faire, mais parce que tu es déjà sur Facebook, tu es sur le marché d'influence, c'est que tu es une marque, ou voilà, enfin, j'aime pas forcément le mot marque, mais voilà, que tu es vraiment en place déjà partout. Et du coup, tu rajoutes Google. Mais tu lances pas en premier produit, genre en testing sur Google, un produit genre problème-solution comme sur Facebook. Pourquoi? Parce que déjà, c'est tout con, mais déjà sur Google, tu fais pas de la pub avec des vidéos, tu fais de la pub avec, tu vois, des annonces. Donc déjà, souvent, un produit de beauté. Souvent, tu vois, les gens, ils font waouh parce qu'il y a une vidéo qui font que les gens, ils achètent. Tu vois ce que je veux dire? OK. C'est pas avec des mots et des annonces, tu vois. Donc, sur Google, on est vraiment plus sur des produits, genre limite demain, tu te poses chez toi, tu regardes ton appart, tu fais 20 minutes le tour de ton appart.
Honnêtement, chacun peut trouver au moins 3-4 produits qu'il peut vendre. Pourquoi? Moi, je connais des gens sur Google Ads qui font 5 à 7 cadeilles toute l'année parce qu'ils vendent des tables en marbre. Voilà, par exemple, tu vois, c'est un tips, tu vois. Pourquoi? Parce que les tables en marbre, tu en trouves sur AliExpress à des prix moins chers. Si alors après, il y a tous les problèmes de shipping, il faut avoir un bon agent, il faut avoir de la qualité, etc. Mais là, on va parler vraiment du produit en lui-même, parce que demain, tu vas à Ikea, des tables en marbre, ou tu vas je ne sais pas où, ça va valoir très très cher. Et bien toi, parce que tu les trouves sur, par exemple, AliExpress à un prix réduit, tu peux te permettre de les vendre moins cher, tu peux te permettre d'avoir plus de modèles, parce que tu fais du drop. Donc du drop, vu que tu n'as pas de stock, ben, tu peux vendre les façons de parler 300 produits. Si ton fournisseur, il a 300 produits, tu t'en fous, tu vois. Parce que toi, que tu as une commande sur le produit A ou le produit X. Ben, tu t'en fous, tu feras la commande et tu t'envoies le produit, tu vois ce que je veux dire? Carrément. Donc tu peux vraiment vendre de tout. Tu as des gens qui vendent des lampes. Genre, tu peux vraiment vendre de tout. Tu vois, moi, je connais quelqu'un là, il n'y a pas longtemps, qui s'est positionné sur, tu vois, par exemple, moi, c'est ce que j'ai chez moi. Par exemple, tu vois, moi, dans ma chambre, chez moi, enfin, à Paname, à Paris, la Wi-Fi, elle est dans le salon. Et du coup, tu vois, dans ma chambre, j'ai acheté, tu vois, ça s'appelle un Dévolo, tu vois, c'est un truc qui vaut une centaine d'euros pour avoir une bonne Wi-Fi dans ma chambre. Ben, je connais un mec qui a, voilà, qui vend ces types de produits. Il a un modèle d'entrée à 30 euros, un modèle final à, je crois, 200 balles. Et voilà, il essaye de viser plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin d'avoir une bonne Wi-Fi chez soi. Et voilà, tu vois, genre, il est plus sur des produits comme ça. Tu n'es pas sur des produits problème-solution. Tu es vraiment sur des produits mainstream que tu peux vraiment vendre tous les jours. Tu vois? Ok, c'est ça le type de produit qui C'est ça. fonctionne. Et comment du coup on effectue, parce que je sais que sur Facebook, pour garder, voilà, pour faire sa recherche de produits, c'est du Minéa, c'est du Axpy, c'est du scroll, regarder un petit peu les stories, etc. Est-ce que sur Google, il y a des stratégies en particulier pour Sur trouver des... Google, moi vraiment j'utilise, déjà c'est tout con, mais j'utilise Ubersuggest qui te permet de voir combien il y a de recherches de mots-clés par mot, etc. Enfin, par mot-clé, à quelle période de l'année, dans quel pays, parce que c'est intéressant aussi de voir dans quel pays. Tu as même aussi des fois la région qui te donne, tu vois. Donc ça peut toujours être intéressant. J'utilise principalement ça. J'utilise aussi AliExpress, Amazon, Cdiscount, tous ces sites, tu vois, genre Rakuten, tous ces sites vraiment. D'e-commerce et parce que voilà, c'est sur ces sites-là où il y a nos produits, tu vois, entre guillemets, où on peut trouver des winners. Alors eux, ce sont des sites, tu vois, où enfin on n'a même pas de enfin moi à mon niveau, tu vois, je suis pas du tout en concurrence avec eux parce que c'est des gens qui sont 100 fois plus élevés que nous. Mais tu vois, c'est là aussi où tu trouves tes produits. Tu vois, genre, au lieu de regarder sur des logiciels, regardez, j'ai envie de dire aux gens, regardez sur des sites qui font comme nous à grande échelle, tout simplement. Tu vois, et c'est comme ça que tu trouves tes produits, tu vois. Donc c'est comme ça que vraiment j'ai l'idée de trouver mes produits. Après, je vais dans des magasins du style la Fnac, Boulanger, Ikea, Jiffy, je sais pas, tu vois. Tu sais, Jiffy, les magasins en gros où Ouais, tu as j'ai des fait produits pas OK, chers, tu vois. Tu connais, tu vois. ouais, je crois qu'il y Donc a je vais Action vraiment, je vais voir. dans ce Action délire-là. aussi, voilà, je le... Ouais, c'est ça exactement. Donc dans ces magasins un petit peu, donc quand tu fais le combo des magasins, de tous ces trucs-là, bah, ça te donne à la fin, honnêtement, tu t'as un vrai combo quand même, tu vois, genre, tu as beaucoup de choses. Tu fais un listing, tu regardes le nombre de recherches par mois, dans quel pays, à quelle période de l'année, tu regardes est-ce que tu as de la concurrence via Semrush, est-ce que tu n'en as pas beaucoup. Ok, j'ai peut-être de la concurrence en France, mais pourquoi je ne me lancerais pas en Italie, pourquoi je ne me lancerais pas en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis? Il y a plein de trucs en vrai, tu vois, genre, il y a vraiment énormément de possibilités, tu vois. Donc du coup, en gros, c'est vraiment avec cette globalité que je fais ma recherche produit. Ok, et la petite dernière question aussi, je pense qui pourrait intéresser les débutants, c'est pour lancer du coup pour lancer un produit et le tester, il faudrait combien de budget à peu près sur Google Ads minimum? Alors, sur Google, moi je teste vraiment en général entre. J'aime bien la méthode de 30 à 50 euros par jour pour pas mettre énormément de budget, mais j'aime bien laisser tourner 5, 6, 7 jours quand même, tu vois. Donc je dirais pour tester un produit, il faut un bon 150 euros à peu près sur Google, entre 150 et 200 euros. Ok, ça va, c'est intéressant. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu par rapport à Google. De toute façon, là, dans les commentaires, n'hésitez pas, s'il y a des personnes qui ont des questions en particulier, je mettrai l'Instagram de Clément, donc vous pourrez aller le contacter. J'ai deux petites dernières questions à te poser avant qu'on clôture la vidéo. Déjà, niveau mindset, déjà, pour toi, est-ce que c'est important l'état d'esprit, d'avoir un bon état d'esprit? Ouais, pour moi, c'est super important. En fait, ça va être un peu contradictoire ce que je vais te dire. C'est qu'il y a vraiment le côté où c'est très important dans le sens, genre, n'abandonner jamais, dans le sens où, tu vois, c'est vrai, il y a des gens qui viennent de plein de mondes différents, etc., qui arrivent à avoir des résultats. C'est un des meilleurs business, je trouve, pour la plupart des personnes, parce que c'est un des seuls business qui ne demande pas énormément de fonds. Tu vois. Donc, c'est vrai que sur le principe, en fait, dans ce business, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de niveau social.
Tu vois, il n'y a pas de, en gros, moi de base, je viens d'un milieu aisé, il y a plus de chances que je réussisse que toi. Tu vois, il y a vraiment, genre, tout le monde peut le faire, entre guillemets, tu vois. Et ça, c'est kiffant. Après, ou des fois, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que c'est vrai que c'est très important le mindset, mais il y a des gens, ils vont te dire que limite, il n'y a que le mindset qui va te faire réussir, alors que ce n'est pas vrai, tu vois. Il y a des connaissances, il faut apprendre, il faut s'entourer de bonnes personnes, il faut travailler. Genre, il n'y a pas que ça non plus, tu vois. Genre, il y a des gens où ils abusent vraiment du mindset, où ils te font penser qu'à ça. Alors qu'en vrai, il n'y a pas que le mindset, tu vois. Genre, un joueur de foot, genre, ok, il a un mindset, mais s'il est mauvais, il est mauvais, tu vois. Genre, en vrai, il a beau avoir le meilleur mindset, il est mauvais, tu vois. À un moment, c'est pareil pour tout le monde, tu vois. Tu regardes, des fois, tu vois, on est tous pareils, à genre idolâtrer enfin, moi, je sais que des fois, ça m'arrive d'idolâtrer, tu vois, des gens très, très forts dans leur domaine, dans le monde du sport, etc., parce que je les trouve incroyables, tu vois, dans leur domaine, que ce soit au foot, au tennis, au basket, dans n'importe quel sport, parce qu'ils ont un mental où ils abandonnent jamais, ils peuvent être en train de perdre, ils vont jamais lâcher. Oui, c'est vrai, mais ces gens-là, au bout d'un moment, il faut bien qu'il y ait le talent de base, sinon ils seraient pas là, tu vois ce que je veux dire. Donc, avant de se dire, oui, le mindset, c'est très important, apprenez des connaissances, essayez par vous-même, formez-vous. Et bien sûr, en attendant, il faut avoir le mindset, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens, ils vont se dire, oui, parce que je sais que je ne vais pas abandonner, je vais réussir. Ouais, mais le problème, c'est que si tu n'acquiers pas de connaissances à côté, tu as des gens qui vont les acquérir à côté de toi et qui vont te dépasser, tu vois. Et du coup, ben, tu as beau avoir le mindset, si tu n'as que ça, tu n'iras nulle part, tu vois, en gros. Donc, c'est très Vraiment. important, mais il n'y a pas que ça non plus. Tu vois, il Et faut comment du pallier coup les on deux. les chope, comment on les a, bah, ces connaissances justement pour quelqu'un? Parce que déjà, tu as vu, c'est ouf parce qu'on est dans un monde où j'avais quelqu'un au téléphone tout à l'heure qui me disait qu'il est en train d'essayer de me convaincre que le dropshipping, ça fonctionnait pas parce qu'elle avait entendu plein de trucs, tu vois. Du coup, je lui ai dit, non, t'inquiète, voilà, voilà ce qu'on fait comme résultat, ça fonctionne et tout. Du coup, bah, déjà, pour éveiller un petit peu son esprit et prendre connaissance que, bah, y a des gens qui sont en train de faire des millions, qui sont en train de générer des ventes, est-ce que tu as un conseil, bah, à donner pour choper, bah, ces connaissances-là et Bah, puis, bah. déjà, de se former. Donc, déjà, moi, je ne vais pas faire de la pub parce que je suis affilié nulle part, mais déjà, d'acheter une bonne formation sans donner, je n'ai pas forcément envie de donner de nom, tu vois. Mais déjà, regardez au moins les formations gratuites des formateurs qui vous intéressent. Et après, si vous sentez un bon feeling avec le formateur, que voilà, vous trouvez que, enfin, ce qu'il vous dit, ça vous parle, que vous sentez un petit peu comme lui, etc., bah, foncez, honnêtement. Une formation maintenant sur le marché, ça vaut 1000 euros. Honnêtement, je ne vais pas dire la phrase bateau, mais tout le monde demain est prêt à mettre 1000 euros dans un iPhone, dans une PS5, dans des vacances, etc. Non, mais c'est Honnêtement, bien de alors. le répéter. Parce que Ben oui. pour la petite histoire, j'avais quelqu'un dernièrement avec qui j'étais là. Et du coup, tu vois, j'étais en appel avec un consultant pour travailler sur deux, trois choses. Et du coup, bah, le consultant, il m'a donné le prix. Il m'a dit 2 000 $ et tout, tu vois. Donc moi, j'étais en train de noter. Et la personne après m'a fait une remarque et je me suis dit, ah, je pense vraiment différemment. Il m'a dit, ah, t'es vraiment prêt, genre, à mettre genre 2 000 $ genre, dans une formation. Mais du coup, dans ma tête, je lui ai dit, bah, toi, tu as un iPhone qui vaut pratiquement le même prix. Pourquoi je ne mettrais pas le même prix genre dans une formation qui va me permettre, bah, d'avancer, tu vois? Exactement, mais c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que les gens, en fait, ils ont du mal à acheter en fait quelque chose qui n'est pas matériel. Tu vois, ils n'arrivent pas à quelque chose parce qu'en fait, ils ont l'impression de ne pas l'avoir et d'avoir Ouais. jeté un peu leur argent. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est super important de se former parce que c'est comme ça que vous allez apprendre des connaissances. Parce que le business en ligne, même les gens qui ont réussi le plus, tu vois. C'est des gens de base qui ne connaissaient pas, ils ont bien dû se former parce que personne ne t'apprend le business en ligne à l'école, on ne te l'apprend pas. Nulle part, on te l'apprend. Donc, il faut bien te former pour la première fois. Donc, formez-vous auprès des personnes qui ont fait du chiffre et que vous savez qu'ils sont en train de faire du chiffre et qui ont un niveau sur lequel vous aimeriez peut-être un jour les atteindre. Tu vois? Donc, c'est très, très important pour moi de se former, voilà, d'acquérir des connaissances, tu vois, du coaching, de la formation, de tout, il y a des gens, voilà, il y a des gens qui préfèrent prendre de la formation et pas du coaching. Ben, foncez, si vous pensez que c'est de la formation qu'il vous faut, prenez de la formation, prenez pas de coaching. Et il y a des gens, ça va être l'inverse. Ils aiment pas parce que la formation, ben, malgré tout, tu as quelqu'un, tu regardes une vidéo, mais tu n'as pas quelqu'un qui te parle en réel, tu n'as pas quelqu'un au téléphone, etc. Ils vont préférer qu'on leur mâche un petit peu plus le travail en coaching. Ben, prenez du coaching après avoir pris une formation. Il n'y a pas de mieux ou moins bien. C'est chacun a besoin de travailler différemment, tu vois. Genre moi, je sais que j'aime bien quand on me montre de mes propres yeux, j'aime bien voir de mes propres yeux, alors que par exemple, Dani, il n'a pas forcément besoin de ça. Et chacun est différent par rapport à ça, Donc, tu vois. faut se connaître un Genre, petit peu pour trouver la meilleure ben c'est option qui ça. nous Et sur correspond ça, bien. on est tous différents. On est totalement tous différents, tu vois. Chaque humain est différent en vrai, tu vois. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, avant qu'on finisse, bah, est-ce que déjà, bah, tu recommanderais des lectos à quelqu'un qui veut se lancer dans l'e-commerce? Bah, moi, je sais que j'ai déjà bossé avec toi, tu vois. Genre, on t'a utilisé pour du SAV.
avait, on t'a utilisé pour de la création de vidéos et on t'a utilisé le service qu'on avait le plus utilisé, surtout, c'est le service de la création de site où tu vois, tu nous avais fait, je n'ai pas honte à le dire, un site généraliste, tu nous as fait une ou deux fois un site monoproduit avec des bons thèmes. En plus, tu vois, tu avais le thème, nous, tu t'avais utilisé le thème Motion, tu vois, sur le site, donc il y a un bon thème depuis, du coup, nous, on l'utilise, c'est vrai, régulièrement avec Dani, tu vois. Donc, nous, on t'a utilisé pour plusieurs services. À Dubaï, j'avais rencontré, tu te rappelles, un de tes amis, je sais pas si tu veux sortir le nom, tu vois, Ouais, c'était Julien qu'on avait rencontré. ils Du coup, seront je nos sais que lui cerveaux là aussi. bientôt sur la chaîne. Ouais, bah voilà, tu vois. Et je sais que là, tu vois, on s'était rencontré une fois quand on était à Dubaï. Lui, il s'est installé depuis. Du coup, moi, on ne s'est pas revu depuis, mais quand je repars, enfin, quand je vais repartir, enfin, tu vois, on parle sur Insta et c'est prévu qu'on se revoie. Puis lui, je sais qu'il. Enfin, je sais qu'en tout cas, quand on s'était vu, je sais que tu t'occupais de tout son SAV. Je ne sais pas si derrière, tu t'occupes Ouais, d'autres tout à choses ou fait. pas. Mais en tout cas, lui, du coup, tu utilisais aussi comme prestataire. Donc voilà. Et puis Dani a aussi fait déjà plusieurs interviews avec toi, plusieurs lives. Bon, après, Dani, il l'utilise parce qu'on l'utilise ensemble, tu vois, donc on est ensemble. Mais du coup, oui, il n'y a pas de. Enfin, tu vois, nous, on t'a déjà utilisé plusieurs fois et je connais des gens que j'ai rencontrés en face qui t'utilisent aussi. Donc moi, il n'y a pas de problème. Tu vois, genre, c'est sérieux. Et puis voilà, quoi. Tu vois, il y a une proximité avec toi. Donc ça, c'est cool aussi, tu vois. Quand il faut aller un peu plus vite, parce que ça peut arriver, etc. Bah, moi, je t'ai demandé. Et puis derrière, tu vois, tu as fait le nécessaire pour que ça aille plus vite, quoi. Tout à fait. Bah, merci beaucoup. Ça fait plaisir pour ton avis. Donc, bah, voilà. Donc, on va terminer cette vidéo. Bah, moi, déjà, pourquoi j'ai invité? Parce que c'est important de savoir pourquoi j'ai invité Clément ici. Parce que bah, lorsque j'ai commencé à faire des lives sur Delectou, bah, je contactais pas mal de personnes voilà, qui faisaient des résultats. Des fois, je n'avais pas des réponses, mais je persévérais, je lui envoyais des messages. Et il a fait partie vraiment bah, des premières personnes qui, voilà, il a accepté de monter, il a partagé de la valeur, je l'ai fait venir plein de fois, il a toujours répondu présent à l'appel. Donc, c'est vraiment quelqu'un de réglo, il est très intègre, beaucoup de bonnes valeurs, il ne se prend pas la tête, il est très humble. Vous voyez, aujourd'hui, on a quelqu'un qui fait… tu as fait combien de chiffres d'affaires à peu près comme ça au total? Là, on est à peu près à 1,5 million en tout, Voilà, cette donc on année. a quelqu'un qui a généré bah, à peu près bah, 1 million et qui est toujours humble, qui ne se prend pas la tête et c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas du coup à aller le suivre sur Instagram, on lui a envoyé des messages, il a déjà aidé plusieurs personnes à se lancer et à scaler leur business. Donc il vous répondra toujours, il est disponible. Donc voilà, je ne sais pas si tu as un petit mot à dire pour la fin. Ouais, bah déjà, je voulais te remercier pour ce que tu as dit, c'est cool, ça fait plaisir. Et puis pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que quand on a commencé, quand tu as fait les lives, ben moi aussi, entre guillemets, parce que, ok, j'ai accepté de monter, mais moi, je l'assume aussi, ça m'a fait gagner aussi de la visibilité par rapport à ta page, parce que toi, tu étais encore une petite page, et moi, malgré tout, quand je suis monté à ce moment-là, j'avais fait à peine 200K, tu vois. Ouais. Donc le chemin était long, tu vois, j'étais encore sur du Facebook en France. Comme je te disais, j'avais gagné ma liberté financière sur les quelques mois qui venaient, mais je ne l'avais pas du tout atteinte. J'étais encore, enfin, même maintenant, je suis personne, entre guillemets, mais à ce moment-là, j'étais encore plus personne. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on faisait juste un petit business avec lequel on avait pris un peu de thunes avec Dany. On en était là pour l'instant, tu vois. Et on partageait un petit peu les tips à droite à gauche. Mais du coup, c'est vrai que c'est cool parce que du coup, même si maintenant que ça soit toi ou moi, on est encore nulle part. Mais je veux dire, en l'espace, tu vois, ça va faire malgré tout, ça fait plus d'un an parce que je m'en rappelle, c'était en mai-juin quand même 2020, tu vois. Donc Ouais. ça fait un an et 2, 3 mois, et que ça soit toi de ton côté ou nous de notre côté avec Dany, bah on est quand même, tu vois, toi, ta page, elle a pris de l'ampleur. Tu vois, malgré tout, tu as invité des gars, tu vois, ces derniers temps dans des lives, des mecs, tu vois, qui sont quand même très, très chauds, tu vois, des mecs, Ouais, tout à on a de fait. la chance, tu vois, nous, de les rencontrer à Dubaï aussi avec Dany, tu vois, c'est des mecs qui sont à un niveau beaucoup plus haut. Nous, on bosse, tu vois, avec des gens comme Tom aussi, avec Dany, qui sont des gens, tu vois, à un niveau très, très haut, tu vois. Donc, tous, tu vois, on a tous level up et c'est ça qui est cool, tu vois. C'est qu'on a commencé un petit peu bah, quand on faisait nos premiers lives à un niveau bas tous les deux. Et bah là, tu vois, on est déjà un petit peu plus haut. Et le but, c'est d'arriver là l'année prochaine. Tu vois, si dans un an, on peut faire le même interview et qu'on soit encore là, que Tout toi, t'as pas, je sais pas moi, là, 30, 40, 50K, que tu as d'autres business à côté, tes projets pro, même avec la musique à côté et tout, que nous, avec Dany, on a une marque ou deux, tu vois, qu'on a même un autre business, qu'on a de l'immobilier, etc. Ça sera encore plus kiffant, on aura encore plus de choses à se dire, à tu fait. Ouais, vois. Ça sera ce lourd en serait vrai, tu tellement vois. cool. Ça, c'est cool de voir l'évolution comme ça. Il y a plein de personnes, pour la petite histoire, il y avait quelqu'un avec qui j'avais discuté en DM sur Facebook. Et c'était une vieille conversation où la personne essayait de se lancer en fait et me demandait quelques conseils. Du coup, j'avais répondu. Et là, j'ai revu la même personne sur Instagram à Ouais. Dubaï avec bah, des résultats. Et j'ai pris mon téléphone, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est Ouais. énorme ça en fait. C'est. C'est ouf. Mais moi, je me rappelle aussi des fois, quand je regarde mes conversations Facebook, il y a des mecs, des fois, je leur avais demandé des trucs, ils m'avaient pas répondu, ils m'avaient envoyé chier, tu vois. Et je me dis, putain, bah, tu vois, à l'heure actuelle, bah, c'est dommage parce que sinon, moi, je serais en train de t'aider aussi, tu vois. Tu m'aurais aidé, bah, je serais en train de t'aider, tu vois. Parce que c'est donnant-donnant, tu vois, c'est dommage. Mais bon, après, c'est comme ça, tu vois. Bah. C'est pour ça que je Mais pense, bon, en tout bah, cas, moi, c'était tu cool. vois, enfin, c'est vraiment une leçon de vie que le e-commerce m'a appris. C'est vrai que bah,
déjà, tu vois, moi, je suis très ouvert, je parle à tout le monde. Mais avec le e-commerce, ce qui est cool, c'est que bah, on ne sait pas qui fait quoi, tu vois. Du coup, il faut vraiment être cool avec tout le monde parce que, bah, je ne sais pas, genre aujourd'hui, ça se trouve, tu es en train de parler. J'ai rencontré des gens, je ne peux même plus imaginer qu'ils sont en train de faire en ce moment avec leur ordinateur. Donc, il y a tout le monde. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui peut devenir qui demain, qui peut C'est faire quoi. ça. Du Il coup, faut prendre personne de haut et ça, c'est super important, tu vois. carrément. C'est très, très Carrément. important. Et moi, et nous, juste pour finir sur ça, quand tu vas à Dubaï, tu prends un coup, tu vois. Parce que tu te dis, mais en fait, tu vois, genre, je suis à côté de la plupart des gens, tu te dis, je suis. Genre, tu vois, ça te permet de redescendre d'un étage. Parce que c'est vrai, quand tu vas à Dubaï, tu as tous les gens, tu vois, même de ton ancien entourage, tes anciens collègues, tes anciens trucs. Genre, pour eux, t'es limite, enfin, t'es pas une star, loin de là, mais tu sais, ils disent, ouah, t'habites à Dubaï et tout, genre, c'est lourd et tout, tu vois, ils te prennent pour une rockstar, tu vois. Mais toi, quand tu es là-bas et que tu regardes les gens qui sont là à Dubaï depuis des années, les mecs, les voitures, c'est pas des locs, hein, tu vois, c'est des voitures qu'ils ont achetées, c'est posé, les maisons, elles sont posées. Tu dis, ah ouais, genre, moi, j'en suis pas là, tu vois, genre, moi, je l'assume, j'ai pas l'argent pour acheter une Lamborghini demain, tu vois. Mais je suis pas là en train de les louer parce que j'ai pas l'argent pour l'acheter. Donc je ne la loue pas. Et si un jour je la loue, ça sera juste un petit kiff à la journée pour me faire plaisir avec Dany, tu vois. Mais tu sais, nous, on ne vit pas dans le bling-bling en mode ce qu'on fait. Tu vois, nous, on a notre appart parce qu'on peut se le permettre. On a loué notre appart. On avait loué une voiture pendant 2 mois. On avait loué, voilà, une voiture moins chère parce que voilà, on ne va pas louer une Lambo 2 mois parce que ça ne sert à rien. On l'a rendue parce qu'on n'a pas besoin de voiture. Tu sais, on habite à JBR. Pour les gens qui connaissent, JBR, en fait, c'est un endroit à Dubaï, c'est un peu l'endroit touristique, JBR, la Marina. Donc, tu vois, tu as tous les restos à côté, enfin, tu as tout à côté, tu vois, en gros. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une voiture, tu en as juste besoin pour aller au Dubai Mall. Mais là-bas, les taxis, tu vois, c'est pas très, très cher, c'est moitié prix par rapport à la France. Donc, tu vois, même si tu prends ton taxi tous les jours, ben, ça te reviendra moins cher que louer une voiture au mois, surtout pour nous, l'utilisation qu'on s'en servait, tu vois. Parce que, comme je te dis, on travaille, du coup, ben, on n'en a pas besoin, tu vois. Quand on va manger à côté de chez nous, c'est un quart d'heure à pied. Tu sais, quand il fait 30 degrés dehors, ben, tu es content de marcher que de prendre ta voiture, en vrai, tu vois. Genre, ça te fait plaisir de marcher, tu vois. En vrai, d'être au soleil, tu vois. Donc, mais du coup, c'est super important de ne pas vivre aussi au-dessus de ses moyens, je trouve. Tu vois, nous, on est à Dubaï, on vit, voilà, avec nos moyens et on ne vit pas. Il y a des gens qui vivent plus haut parce qu'ils ont plus de moyens que nous, tout simplement, tu vois. Mais c'est super important pour moi de ne pas être trop dans le paraître, tu vois. Oui, des fois, tu te fais kiffer. Moi, tu vois, je suis quelqu'un qui aime bien les vêtements, tu vois, par rapport à Dany, par exemple, où Dany, lui, il va plus être dans d'autres trucs, tu vois. Dany est plus voiture et tout. Moi, je sais que souvent, des fois, bah, mon budget, je vais le dépenser un peu dans des vêtements. Mais moi, par exemple, à côté, ben. Bah, je loue pas les voitures de luxe, je fais pas énormément de vacances. Là, si tu regardes cet été, en 4 semaines en France, je suis parti une semaine en vacances avec ma mère chez ma grand-mère. Mais du coup, ça, entre guillemets, ça m'a coûté. Enfin, tu vois, j'ai payé des trucs là-bas, mais ça m'a pas, tu vois, genre, j'ai pas, parce que j'avais envie de voir ma famille. Et je suis parti un week-end comme ça avec mes potes, tu vois. Mais je veux dire, je dépense pas comme ça parce que je voulais bosser ici, parce que c'était important. Et voilà, tu vois, genre, les gens, des fois, ils se disent, ouais, ils dépensent beaucoup dans les sapes. Oui, mais parce que moi, c'est ça mon kiff, tu vois. Mais à côté, Ouais, je bah dépense chacun pas son mon kiff kiff. au final, tu vois. Tu vois, Chacun. c'est ça, tu vois. Et du coup, c'est super important de bien gérer aussi son argent par rapport à ça, quoi. Ok. Bah c'est cool. Bah franchement, bah, ça m'a fait plaisir de t'avoir. Du coup, Ouais, moi aussi, avec plaisir. n'hésitez pas. Du coup, il y a pas mal d'interviews que j'ai eu à faire en live sur la page avec bah, voilà, Clément et puis Dany. Donc voilà. Mettez un pouce bleu, mettez un like, lâchez plein de commentaires. Et puis du coup, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Yes, allez, ça marche. Allez à tous les gars, à plus.